Allez, on arrive enfin. C'est pas trop tôt. Une heure qu'ils m'ont bloqué, putain. Bon, je vais me garer où, moi? Eh ben, je vais me mettre là-bas vers la porte du garage, je pense. Je vais me mettre en reculant, ça va être mieux. Hop. Ah, oh, puis cette table à la con, là, qui me fait de la place. Bon, alors, la remorque. Parce que ça, c'est de la daube à reculer. Allez, recule. Là. On est dans les rétroviseurs. Est-ce que ça passe? Oui, mais bon. Bah regarde, dis-moi bon sang. Là. Encore. On va chourra du mur. Attends, fais-moi reculer là-bas. Il y a la remorque, on va la dételer devant la petite porte. Une fois qu'on aura remis celle-là, on pourra plus passer par là. Attends, je ramasse un peu. On va être droit, voilà. C'est bon? Encore un peu? Là, ouais, c'est bon, on dételle. Bah qu'est-ce que t'as foutu? T'en as mis du temps? Oh, bah ils m'ont bloqué au rond-point du lapin là. Tu sais, les manifestants là, pour les trucs de la retraite là. Ouais, je pensais passer par le bas, je me suis dit je vais pouvoir éviter le rond-point du haut. J'ai dit comme ça, ils vont me foutre la paix. Bah tu penses bien, ils étaient en bas aussi. Ah, une heure, j'étais coincé au milieu des camions, qu'est-ce que je fasse? Oh, ma foi, c'est comme ça. Bon, ça c'est bon, t'as mis une cale sur la roue, oui c'est bon. Bon, allez, hop, je vais mettre ça devant là. Voilà. Puis on va pouvoir attaquer. Allez, bonjour à tous, chers amis, c'est Vivi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc sur Builder Simulator, notre construction de maison. Et aujourd'hui, eh bien, on poursuit et puis surtout, on termine l'étape actuelle, qui donc concerne les portes et fenêtres, et on va même faire plus que ça, puisque sur cette petite entrée que je viens de vous faire, alors bon, j'ai été bloqué par les manifestants, mais ça c'est un autre problème, j'avais une remorque donc d'attelé derrière mon petit berlingot là, et dans cette remorque, il y a tout simplement quelque chose qu'on va faire dans cet épisode, puisque je vais en avoir besoin pour la suite des événements, puis je vais vous expliquer de toute façon pourquoi je le mets dans cet épisode, et puis pourquoi je le fais pas dans l'épisode prochain. C'est tout simplement, si vous regardez bien en bas, tiens je vais me mettre comme ça sera un peu plus visible, vous pouvez voir qu'en touche numéro 5, j'ai l'escalier, voilà, l'escalier donc qui va faire du bas à l'étage hein, forcément, non parce que l'escalier c'est l'étape tout simplement suivante après les fenêtres. Donc je vais pas faire une vidéo spéciale pour l'escalier parce que ce serait complètement ridicule. L'étape de l'escalier, encore une fois de plus, je trouve dans ce jeu, c'est bâclé parce qu'il y a juste à le poser et fin de l'histoire. Vous choisissez votre escalier, la couleur, vous cliquez, l'escalier est posé. C'est bien dommage parce que ça aurait pu être encore des étapes qu'ils auraient pu nous mettre en un peu plus longue. C'est-à-dire vraiment le construire, parce que réellement un escalier souvent, bah, ça arrive en pièces détachées, donc c'est le cas. Je l'ai dans la remorque, donc en carton, en planche, enfin bref, tout ci, tout ça. Et on va faire ça dans cet épisode. Donc plutôt que de faire un épisode complet dessus, où on n'aurait rien à faire, la vidéo durerait, j'ai envie de dire 5 minutes, hein, et encore moi, avec ma façon de faire, ça dure un peu plus longtemps, mais voilà, il n'y a pas de grand chose d'intéressant. Et qu'on n'a pas beaucoup de fenêtres à poser, bah du coup j'ai décidé de faire l'escalier dans cette vidéo. Comme ça voilà, on va avancer un peu plus. Et à partir de l'épisode prochain, bah, on devrait repartir normalement sur quelque chose de nouveau là pour le coup. Puisqu'on partira normalement sur les cloisonnages de pièces. Et c'est cool parce qu'on va commencer justement de pouvoir voir bah, finalement la taille de nos pièces. Alors j'ai justement été surpris moi-même puisque j'ai fait quelques petits essais avant de tourner cette vidéo. Donc justement j'ai été jusqu'à la phase de l'escalier, donc je l'avais posé, et ensuite voilà ça me propose bien de faire les cloisons, donc ça c'est bon. Maintenant c'est que j'ai été surpris, alors à la fois du bon côté mais aussi du mauvais, c'est que n'oublions pas que ma maison est quand même plutôt grande, j'ai quand même quasiment utilisé toute la parcelle que j'avais à ma disposition, hein. Alors bien sûr j'ai gardé un peu d'extérieur histoire de pouvoir faire une partie extérieure, mais ça fait rien, la maison est quand même relativement grande. Et sans que ça paraisse, de ce que j'ai vu, les pièces de ma maison bah, vont être grandes, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, vous allez voir, finalement, et moi je vous conseille, si jamais vous voudriez jouer à ce jeu, parce que après tout vous avez le droit, d'y jouer vous de votre côté,
Un conseil que je peux vous donner, si vous voulez faire des pièces plutôt beaucoup meublées, en tout cas, si vous voulez peut-être faire des fois comme chez vous, moi je sais pas, c'est tout à fait possible, n'hésitez pas à faire des grandes pièces. Hein. Je vous le dis, n'hésitez pas à utiliser une grande partie de la superficie, parce que sinon vous allez vous retrouver avec des pièces qui vont être toutes petites. Moi je vous dis, j'ai pu le voir là, mais on va le voir à partir de l'épisode prochain de toute façon, puis même à la fin de cet épisode normalement, vous allez voir que les pièces vont pas être si monumentales que ça. Alors il y a des pièces qui seront très grandes par contre, notamment la pièce un peu principale à vivre, mais bon c'était le but recherché, mais sur ce qui est chambre, salle de bain, tout ça, vous allez voir que c'est pas si grand que ça. Même ici, la fameuse véranda que j'ai fait là, vous m'avez compris là, le truc qu'on a en bas là, et puis la buanderie, etc. Vous allez voir que c'est pas si grand que ça. Bon, ce sera bon quand même, hein, mais voilà. Bref, alors, 88% de l'étape actuelle, c'était là qu'on s'était laissé à l'épisode dernier. Je vais juste vous ouvrir ça pour vous expliquer un petit peu. Je me suis mis donc les choses. Comme ça, voilà, j'ai été les chercher en voiture. Donc c'est bon. Donc l'escalier dans la remorque, c'est pour ça que je me le suis mis. Et au niveau donc des portes et fenêtres, vous pourrez voir donc qu'il nous reste 5 fenêtres à poser. Et oui, 5 fenêtres, la porte de garage en fait partie, hein, je rappelle. Donc voilà, je me suis mis ce que j'ai. Donc j'ai dans le berlingot en fait 2 fenêtres de salle de bain qui vont à l'étage. Donc elles sont dans le cul. Donc une porte ici pour le garage qui était livré déjà depuis X temps, hein, on fait déjà un moment qu'on l'a. On va monter à l'étage parce qu'en bas il n'y a que ça. Pour vous situer un petit peu. Il y a peut-être des gens qui suivent de près ou de loin cette aventure, j'en sais rien. Donc on a ici une première fenêtre pour la salle de bain du haut, donc qui est dans le kangou, dans le merlingot. On a ici la deuxième fenêtre pour le toilette, donc c'est celles qui seront avec les carreaux. Hein. Et cette fenêtre-là, je l'ai déjà. C'est la fenêtre comme ça, là, la même que ça. J'en avais replacé à la fin de l'épisode dernier pour s'occuper un petit peu. Donc celle-là, c'est la chambre bébé, normalement. Je l'ai déjà, elle est juste là, hein, donc on va la poser dans cet épisode. Et par contre, ici, donc là, j'ai eu un petit peu plus de difficultés pour me décider. Ma foi, je pense avoir fait le bon choix. Je vais vous montrer de toute façon ce qu'on va mettre. On va partir, en fait, dans l'idée où on va essayer de se fixer une sorte de verrière, en fait. Parce que j'ai pas trop d'autres solutions. Je rappelle hein, pourquoi on a ce grand trou là comme ça, qui c'est une erreur de ma part tout simplement, quand j'ai fait le plan. Je voulais partir de base sur une fenêtre un peu plus large pour avoir plus de luminosité dans la maison, dans la pièce du haut. Et malheureusement le jeu, quand vous faites une fenêtre plus large, vous considère ça comme une porte-fenêtre un peu. Donc du coup c'est pour ça qu'on se retrouve avec une fenêtre qui va de haut en bas. Donc, ma foi, j'ai choisi, à mon avis, on va partir, je peux vous le montrer, parce qu'en bas, on a déjà ça. Mais le choix qui serait, je pense, le plus judicieux pour que ça soit peut-être un peu le plus joli, j'ai envie de dire, et que ça rende un peu style verrière, c'est de partir là-dessus, sur une fenêtre comme ça. Alors, vous allez me dire, mais c'est un peu dangereux ton histoire, parce que... Effectivement, c'est un peu dangereux, alors on va estimer que c'est une fenêtre qui ne s'ouvre pas, hein, qu'il n'y a pas de système d'ouverture, que ce sont juste des vitres, en fait, tout simplement. Et que, voilà, l'idée, c'est de faire rentrer du soleil de l'extérieur en haut. Et voilà, juste des vitres. Donc, c'est pour ça, je vous dis, on va fixer ça. Il va y avoir un contour, voilà, et puis fin de l'histoire. Hein. Les trappes d'ouverture, là, les poignées qu'on a là, elles le seront là-haut, parce que, voilà, c'est comme ça. Mais on peut très bien estimer qu'elles ne le sont pas. Parce que j'ai regardé après les autres types de fenêtres. Je peux vous montrer là. Donc là, ça serait sur justement celle-là. Les autres types de fenêtres, ça va pas du tout. Au début, je voulais presque partir sur une comme ça, comme la porte de garage, vous allez voir. Mais franchement, c'est hideux, ça fait porte de grange au-dessus, c'est... Enfin, ça me plaît pas, ça fait dessus d'écurie, là, j'aime pas du tout. Et puis après, on se retrouve avec des carreaux, donc bon... Je suis pas fan, et puis ça, c'est la double battant classique. C'est celle-là, je trouve, qui se rapporte le mieux, honnêtement. Donc je pense que mon idée sera ainsi. Voilà. Et puis de toute façon on va la placer dans cet épisode. Donc ça à faire dans un premier temps. Donc les 1, 2, 3, 4 fenêtres du haut. Oui. Et donc la porte de garage à mettre dans cet épisode. Donc j'avais dit que je passerais un petit peu plus de temps sur la porte de garage. Donc c'est quand même toujours d'actualité. Je vais essayer de faire un petit peu durer la vidéo. Histoire qu'elle fasse au moins 3 quarts d'heure. Entre 3 quarts d'heure et 1 heure comme d'habitude à peu près. Et puis bien sûr, on va placer l'escalier. Alors l'escalier, comme j'ai dit, ça va être très rapide, malheureusement. Hein. Il y a juste à cliquer une fois que le jeu vous propose cette phase-là. Donc ce sera l'étape d'après.
Et puis bah vous choisissez la couleur, vous cliquez et puis votre escalier il est posé, fin de l'histoire. Donc c'est un peu dommage parce que c'est encore une fois pareil. Je trouve que les développeurs auraient pu justement un peu développer cette étape là, même si bon, je suis tout à fait conscient qu'il n'y a pas grand chose en soi à faire, mais je sais pas, peut-être nous mettre les deux côtés dans un premier temps, après nous faire remettre des plaques sur les côtés pour faire un peu de la menuiserie quoi, parce que techniquement un escalier c'est ça, c'est quand même des étapes de menuiserie, alors même si ça se prédécoupe, j'ai envie de dire souvent au préalable, les mesures sont faites, mais c'est quand même après sur place qu'on avise. Et c'est ça, je trouve, qui manque. Moi, je trouve que dans un sens, et c'est con à dire, mais ce jeu, niveau étape de maçonnerie, il est pas trop mal. J'ai envie de dire, il est pas trop mal. On a pu le voir sur les blocs creux. Tout ce qui est maçonnerie, voilà, on a quand même la bétonnière avec les sacs à faire. C'est pas mal foutu. Par contre, ouais, sur tout ce qui est menuiserie, et puis bah, notamment donc, quand on arrivera sur la toiture, hein, je rappelle, bah là, moi, je trouve que c'est un peu à chier. Mais bon, je sais pas pourquoi ils ont pas développé ça. C'est vraiment dommage parce que ça reste quand même et ça fait partie d'une construction. Mais bon, c'est comme ça. Que voulez-vous ? J'en avais déjà parlé à l'épisode dernier, donc je peux en reparler là. Je vous invite de toute façon à voir les vidéos précédentes, hein, la playlist est fait pour. N'hésitez pas. Mais de toute façon, j'ai toujours ce coup de gueule sur ce jeu et malheureusement, je pense que je l'aurai jusqu'au bout. Comme j'ai dit, j'ose espérer que la suite du jeu m'apportera un peu plus de satisfaction. Ça m'en apportera, je sais, de toute façon, un peu plus sur les cloisons avec les placos. C'est quand même pas trop mal fait, donc j'ai envie de dire heureusement. Mais c'est encore une fois pareil, on retourne un petit peu sur des étapes de maçonnerie, parce que en plus, moi, j'aurai justement des moellons à monter à l'intérieur, puisque j'ai certains murs qui seront de ce type. Et là, oui, il n'y a pas de problème. Ils ont à peu près développé le truc convenablement. On va reprendre notre truelle, on va refaire, à mon avis, du mortier, etc., etc. Et ça, c'est cool. Mais non, sur le reste, je suis pas d'accord du tout comment que c'est foutu, moi. Et puis, bah, toujours cette sensation de vide dans le chantier, qui malheureusement, je trouve, est un des gros points négatifs du jeu. Enfin bref, voilà, donc c'est ce qui est prévu dans cet épisode. Donc il faudra aussi qu'on mette les petits rebords. Enfin bref, on clôture de toute façon à 100% l'étape des fenêtres. Voilà, c'est l'idée dans cet épisode, qu'on en ait plus à souper. Alors, on sera toujours possible dans la suite des vidéos, surtout quand on fera les décos. Si on voit que les couleurs ne nous conviennent pas, il y a toujours possibilité de les changer, j'ose espérer. Au niveau des couleurs de fenêtres notamment, mais de toute façon, vu que j'ai certains types de fenêtres qui sont différents, malheureusement on aura des couleurs qui se rapporteront pas toujours, et ça malheureusement je peux rien y faire. Bon, on va faire avec et puis c'est tout, mais notamment peut-être au niveau des couleurs des petits rebords, enfin bref, on verra bien. Pareil au niveau de la couleur de l'escalier, si je vois que ça va pas être la déco intérieure, même si je pense avoir de toute façon un peu des idées en tête, mais vous m'aiderez de toute façon à ce moment là puisque je trouve que la communauté que j'ai maintenant commence petit à petit, je dis bien commence, hein, on n'est encore pas sur des commentaires à fond dedans, mais commence petit à petit à se manifester un peu plus, et ça me fait très plaisir honnêtement. Donc j'ose espérer que au moment où on attaquera un peu les décos, où il y aura du monde justement qui jouera le jeu, et qui me diront, bah tiens, je partirai bien là-dessus. Alors je veux pas faire des systèmes de vote comme j'ai fait fut un temps, parce que voilà, c'est quand même compliqué, et au final, de toute façon, c'est compliqué de contenter tout le monde, mais voilà. Je pourrais éventuellement vous proposer des choses dans les vidéos, et après vous me dites juste en commentaire, bah ouais, ça c'est bien, ou ça c'est pas bien. Voilà, après vous me dites, vous développez un petit peu dans votre message, ça prend pas 15 ans, et vous me dites pourquoi il faudrait peut-être partir là-dessus, pourquoi ça serait mieux que ça qu'un truc, enfin bref. Voilà, après c'est libre à vous, et puis après bah, j'ai envie de dire, si vous n'avez pas envie de participer, bah, vous ne participez pas, mais alors par contre après, je veux pas vous entendre dire, ouais mais ça c'est moche, t'aurais dû mettre ça. Et à un moment donné, il fallait venir, comme j'ai dit, au moment opportun. J'ai assez demandé, fut un temps, votre avis, voilà. Il n'y a pas eu forcément plus de suggestions que ça, donc j'ai envie de dire, maintenant, c'est un peu trop tard. Même si ça ne l'est encore pas. Pour certaines choses, en tout cas. Bref. Alors, nous sommes partis dans notre construction. Alors, je pense qu'on va commencer par l'étage, et puis on va finir par la porte de garage, hein, histoire d'être tout proche de la voiture, et puis ensuite, bah, j'ouvrirai la porte là, et on passera l'escalier par là. Puisqu'il est en petit bout. On va se monter donc une première fenêtre de salle de bain. Ce sera celle des chiottes. Bon, de toute façon, je vous montre les deux. Alors, je vais vous ouvrir la checklist. Donc, tac. Et puis, on est parti. Alors, ma foi, ils vont faire comme ils peuvent. Hein. On va monter ça par l'échelle. Bon, c'est pas la plus lourde, celle-là. Parce que celui-là, c'est un peu la même que celle-là. Donc, ça devrait aller. Hop, allez. Monte en haut, mon acolyte. Hop, chope le bout. Puis moi, je vais pousser. Allez. Voilà. Ouh.
Quand il va falloir monter celle de la salle de bain, ça va être autre chose. Or, ma verrière, elle est du genre en haut. Hein. Je vais estimer que je suis allé la chercher un samedi, hein, je sais pas. Elle est là. Mais et puis, bah, cette fenêtre-là, c'est pareil, elle est là. Hein, donc, il n'y a pas de souci. Donc, nous, on est sur celle-là. Allez, c'est parti. Donc, c'est en touche 2. On place ça. Et on en finit une bonne fois pour toutes avec ces fenêtres. Bon, après, c'était pas déplaisant à faire. Hein. C'était sympa. Petit côté clavisseuse, tout ça, j'ai bien aimé. Et j'ai même envie de dire, de toute façon, sur les fenêtres, je vois pas trop ce qu'ils peuvent mettre en plus. Hein. Donc ça, là-dessus, je critique pas, c'est pas trop mal. Mais il y a sur certaines phases, non. Enfin, comme je l'ai dit, je veux pas revenir dessus. On a déjà parlé pas mal. Allez, un petit peu de mousse autour, hop. Bon, ça, j'ai pareil, je sais pas comment que ça va se passer pour la suite. Comment ça va être amené à disparaître, ça, parce que je pense pas qu'on garde les... À mon avis, ça va s'enlever quand on va faire les... Quand on va faire les enduits ou les machins, je pense. Je sais pas, je verrai. J'ai pas été aussi loin dans l'autre série, dans l'autre aventure. Bah, j'en suis en fait aux dernières étapes d'extérieur, justement, parce qu'en fait, pour vous situer un peu les étapes... Donc là, on est actuellement sur les fenêtres. Donc après les fenêtres, il arrive l'escalier, si vous avez une maison à étage. Ensuite, l'escalier, il arrive donc tout ce qui est cloison avec... Les petites barres profilées à mettre au-dessus, en dessous, les plaques de placo, les murs, si vous en avez des comme moi à l'intérieur avec les blocs gris là, avec je pense toute la partie isolation, et après on attaque la toiture, et après une fois que la toiture est attaquée et faite, et ben le jeu nous renvoie sur l'extérieur avec, vous savez, ben, peut-être notamment dans mon cas de figure, tous les pavés. Tous les... Peut-être le creusage de la piscine, etc. Donc on verra. On verra, mais il y a encore quand même pas mal de vidéos à faire. Hein, mais sans que ça paraisse, on va quand même faire un gros tournant après cette vidéo-là, au niveau des étapes. Hein. Mais il y a quand même encore beaucoup de vidéos à faire. Hein. Ça, c'est y a pas de problème là-dessus. Bon, celle-là, c'est bon. Donc je vais placer celle qui est là, puisque je suis en haut et que je suis prêt. Parce que le temps tourne, quand même. Je parle, mais on avance pas vite. Donc tac, donc là on est sur une classique. Et celle-là, en comme ça. Là, j'avais changé les couleurs hein, exceptionnellement. On est à 90% de l'étape. Allez, ça marche. Bon, de toute façon, j'ai fait le test avant, moi. Avant de tourner. J'avais été jusqu'à tout poser, bah, notamment pour choisir là-bas. Et puis bah, je voulais voir l'étape qui était après. C'est pour ça que j'ai réavisé pour l'escalier. Parce que du coup, je me suis dit, mais merde, je l'ai pas l'escalier en fait. Je l'avais complètement zappé lui. Et bon, j'ai dit du coup, de toute façon, ça sert à rien que je fasse une vidéo dessus parce que ça va être trop court. Donc du coup, on va le placer aujourd'hui. Oh bah, elle était déjà ajustée. Mais on sait bien ça. Hop, en blanc. Voilà. Allez, mon cher acolyte, on va aller chercher la fenêtre de salle de bain qui est là-bas, qui manque. Donc on va faire pareil. Donc elle est un petit peu plus grande, je crois. Oh non, c'est la même. Oh ouais, oh bah ça va alors. Allez, on redescend. Attention de ne pas te casser la gueule. Puis voilà, on va supprimer cette échelle pour un bel escalier. Alors on le couvrira, hein, je pense. On le bâchera, je sais pas. Allez, chope le bout. Hop. Voilà, c'est bon. Ah, mais ça va, ils sont pas trop lourds ceux-là. On arrive bien à les manipuler. Ouais, ouais. C'est pas mal. Alors l'échelle, elle est où? Elle est... Bon, bah, j'en suis encore loin. Là, allez, tu recules. Hop. Allez, pause, je te laisse monter. D'abord, bah, fais-la glisser le bord, là. Il y a le truc, ça risque rien. Voilà, allez, je pousse. Allez. Hop là. Phew. Allez, on se reprend les bras un peu, là. Ça pique les bras de monter, là. Ouais. Allez, c'est parti. Mise en place. Enfin, je pourrais très bien les mettre par l'extérieur, hein, c'est vrai aussi. Mais bon, il faut que je choisisse de les mettre par là, moi. Main, touche 2. Et on la met ici. Donc je rechoisis ma fenêtre à carreaux. J'ai bien mis une à carreaux là-bas, oui. J'avais un doute. Tac. Donc je pense qu'on va mettre déjà ça. Je vais aller mettre après ma verrière tant que je suis là. Et puis, bah après, j'irai faire l'échafaudage.
pour mettre les rebords extérieurs. Comme ça, on sera bouclé là-dessus. Et puis ensuite, on se lancera sur la porte de garage que je vais faire un petit peu durer une dizaine de minutes au moins. Et puis ensuite, on fera notre petit escalier, pareil, pour une petite dizaine de minutes. Et puis, on sera pas mal. Bref, on fasse une belle petite photo. Alors, je sais pas trop ce que je vais faire, là, dans cet épisode. J'aimerais bien montrer, peut-être, un global. Ou alors, je fais avec l'escalier. Ça pourrait être une idée. On va voir. Pour les fenêtres, on en a eu pas mal. Et ben voilà, on est pas mal. Allez, on attaque la verrière. Gardez la... La lumière qui rentre, c'est bien. Alors, on va se mettre... Ben on va s'enlever ça. Donc je vais vous montrer du coup ce que j'ai choisi. Bah, je vous l'ai déjà montré en bas, mais... Et vous montrer ce que ça donne en visuel. Donc on va déjà mettre ça. Mais je pense que c'est ce qui sera le mieux. Pardon. Alors ouais, de base, je voulais mettre celle-là, mais... Moi j'en suis pas super content parce que ben, je vais vous montrer, hein, de toute façon quand on va mettre la porte de garage vous allez comprendre. Donc ça sera celle-là, en marron. Voilà, et ça va nous donner donc un truc comme ça. C'est ce qui je trouve de dehors est le plus joli, mais j'irai vous la montrer de toute façon. Quand on redescendra. Après, c'est vrai que c'est sympa, on voit vraiment bien, mais bon, c'était pas l'effet recherché de base. Hop, encore une là. Ah, ici. Ok, voilà. On a encore des mousses. Parce que ça commence à diminuer. Ouais, il doit y avoir un carton, je crois, dans le fond de la voiture. Ah bah ça va, parce que pour la porte du garage, il va nous en falloir. Tac. Tire-bord blanc. Bon, pour le moment, je mets les mêmes, hein. On verra par la suite si on changera certains, mais je pense que c'est ce qui sera le mieux. Bon bah c'est pas mal. Donc le haut est bouclé, théoriquement. Oui, on a fait tout ça. On est à 95%. Non, c'est bon, la porte est mise ici. Eh ben c'est pas mal. Donc on va aller se mettre les tablettes extérieures. Donc le haut, on va pas y remonter pour le moment. Je sais pas si on attaquera en bas ou en haut au niveau des cloisons. Je sais pas. On verra. Alors, je vais aller vous montrer ce que ça ressemble. Puis de toute façon, je vais aller me faire les trucs. Donc voilà les amis. Notre fenêtre du haut. De loin, c'est pas moche, hein. Mais c'est vrai que c'est particulier. Bah, j'ai déjà vu ça, hein, sur certaines maisons, notamment un peu des maisons style un peu d'architecte, des trucs comme ça. Bah, des fois, il y a ces types de trucs comme ça. Bon, ma foi. Alors, on se met un échafaudage. En avoir quelque chose pour monter, et puis bah, on va mettre les mêmes rebords, hein, que d'habitude. Voilà, tac. Donc là, il me faut celui qui a le bout. Je crois que c'est celui-là. Ouais, c'est ça, celui qui a le rebord arrondi. Ok, donc voilà. Allez, je redescends. C'est très rapide à faire ça. On n'oublie pas de démonter notre échafaudage. Je le démonte à mesure, là. Voilà. Et on va aller au suivant. Donc là, un seul échafaudage devrait suffire pour faire les deux. Ouais, ça devrait être bon. Donc toujours pas de nouvelles, hein, sur ce jeu, malheureusement. Toujours pas, ça fait des mois et des mois qu'on est toujours sur la même chose. Bon, on faisait comme ça. Faisons avec.
Après, pour répondre, alors même si j'ai déjà répondu de toute façon sous forme de commentaires, je crois que c'est toi, c'est Bywolf, hein, qui m'avait suggéré le jeu Hotel Renovator, je crois que tu m'as dit. Donc oui, je connais le jeu, hein. J'ai déjà un petit peu regardé. Sur YouTube, il y a eu pas mal de vidéos de fêtes. Bah récemment, forcément, le jeu vient un peu de sortir. Et comme souvent, hein, sur YouTube, dès qu'il y a un jeu qui sort, de toute façon, YouTube en est envahi. Donc déjà d'une, moi je vois pas trop l'utilité de faire comme les autres. Enfin, du moins, j'aime pas. Et puis, non, alors c'est pas que j'ai pas envie de le faire. Hein. Comme je t'ai répondu, c'est que déjà d'une, je manque de toute façon cruellement de temps. J'ai beaucoup de let's play sur la chaîne. Donc, c'est pas l'idée en tout cas. Et puis, bah, de toute façon, je pense que ce qui me fait un peu peur sur ce type. Elles sont vachement décalées ces fenêtres-là en fait. Oh là, c'est con ça. Ce qui me fait un peu peur sur ce type de jeu, c'est que j'ai peur qu'on en soit un peu sur un jeu comme ça. Un jeu, je sais pas si c'est les mêmes développeurs qui le font d'ailleurs. Si c'est les mêmes développeurs, j'ai envie de te dire. Ça va être encore une fois pareil. Ça va être un jeu qui va être alléchant au début. Et puis, bah, finalement, un jeu qui va plus trop évoluer par la suite. Et puis, c'est un jeu qui va. Pour moi encore, sûrement, soit en développement, soit pas fini. Et ça me gonfle un peu, donc... tant qu'on n'aura pas des jeux dignes de ce nom, j'ai envie de dire. Maintenant, oui, à première vue, ça a l'air sympa. J'ai regardé... alors, ça doit être à l'époque, je crois, j'ai regardé la vidéo, je crois qu'Universimul avait fait une vidéo dessus. Oui, ça avait l'air bien. Hein. Mais bon. À quoi bon, hein. J'ai déjà cette aventure-là, je dirais à un moment... faire essayer de diversifier un petit peu aussi les let's play parce que donc de toute façon n'attendez pas du Hotel Simulator pour le moment sur ma chaîne, peut-être à la rigueur je dis pas en découverte, pourquoi pas si on veut vraiment vous proposer le jeu en découverte, mais alors après de là à faire une aventure dessus franchement pour le moment je suis pas forcément envie quoi. C'est aussi pour ça que je joue aussi sur le fait que je dis que j'ai pas de temps. Parce que j'ai envie de dire du temps, de toute façon, si on veut en avoir, on peut. Mais, non, c'est plus le côté que j'ai déjà celui-là, je voudrais finir celui-là, de toute façon, dans un premier temps. Et puis ensuite, on verra. On verra, on verra. Jeu de construction, je sais pas. Je sais pas s'il y en aura d'autres. Si on fait de la construction, ce sera peut-être tout autre chose. J'ai déjà un gros projet en tête, de toute façon. Alors, pas pour cette année, parce que de toute façon, ça passera jamais dans l'année. Parce que c'est pareil, ça va être une aventure qui va... Alors... pas avoir de fin, oui et non. Parce qu'on peut y mettre une fin quand on en a envie, j'ai envie de dire. Mais c'est un très gros jeu, c'est un très gros pavé que j'ai depuis déjà des années, puis qui existe depuis des années. Un jeu qui est très connu. Alors je vous dis pas le nom, je vous laisse un peu cogiter ça. Mais par contre, c'est un jeu qui est sensationnel. Et puis j'ai même vu là qu'il y a des nouveautés qui sortent. Enfin, il y a une nouvelle annonce qui a été faite. Alors je vous donne un gros indice là quand même. Pour ceux qui suivent un peu le gaming. Donc je sais pas, à voir. Mais sa base, on va dire, son premier, voilà, il est sensationnel et on peut faire vraiment des belles choses. J'ai plus, à la rigueur, pour projet, oui, de partir sur un jeu de construction de ce type. Puis il y en a des quantités, hein, comme ça. Et plus du City Builder, voilà, c'est ça le mot que je cherche et que je vais vous donner. Donc là, je pense que je vous ai quand même donné de très gros indices. Mais pas pour 2023, peut-être en 2024 et encore. Hein, peut-être. On verra bien. Bref. Bon, on a fini nos fenêtres. On est à 97%. Il nous reste la porte de garage. Donc on va se concentrer dessus. Normalement, si je regarde ici, il me reste bien plus qu'une fenêtre. Donc c'est bon. Parce que la porte hein, est considérée comme fenêtre. Comment que ça va se passer? Alors, on va s'amener juste pour le fun quelques petits outils, histoire de mettre un petit peu de trucs sur le chantier. Alors, je vais vous expliquer un petit peu la porte de garage. Pourquoi c'est celle-ci? Bah déjà d'une, parce que j'ai pas trop le choix. Parce qu'on en est très limité. Alors, on va se placer ça comme ça. Tiens, ça va nous faire une table. Table d'appât. Mais je vais vous montrer aussi, puis je vais vous expliquer un petit peu comment elle va s'ouvrir, cette porte de garage. Parce que c'est pas une porte comme vous le penserez peut-être. On va s'en mettre deux. Voilà. Donc, les portes de garage, très souvent dans les nouvelles constructions, sont des portes avec, vous savez, qui sont comme ça, puis qui se lèvent comme ça, et qui vont se mettre au-dessus. Ben moi, ça va pas être ça. Ça va pas être ça, parce que la porte que je vais vous placer n'irait pas pour faire ça, en fait. N'irait pas, et je vais me baser sur un... Alors, peut-être que ça existe encore, je pense. Hein.
que ça se fait toujours, peut-être beaucoup moins, mais ça doit toujours exister. Je sais que chez ma grand-mère, au sous-sol, il y a ça. C'est une porte de garage où tu peux rentrer un véhicule, hein, c'est ça. Sauf que c'est une porte... Bah si, il y a quand même des fenêtres dessus, il me semble. Mais pas comme nous, on aura. C'est une porte, en fait, qui s'ouvre. Il y a une petite porte, en général, sur le côté, où tu peux passer un piéton, ou un vélo, ou machin. Et puis après, bah, si tu veux l'ouvrir, hop, tu la glisses, et elle vient se glisser le long d'un rail, comme ça. Donc moi, ça va être ça, comme porte, que je vais avoir. Pour le côté réaliste de la porte telle qu'on va l'avoir, c'est ce qui va le mieux coïncider. C'est pour ça que j'avais déjà mon idée. Donc, dans le jeu, bien sûr, on a juste la porte à fixer, fin de l'histoire, point barre. Elle ne s'ouvre même pas, malheureusement. Mais, pour faire un peu de réalisme de notre aventure, c'est pour ça que je dis que je vais passer un peu plus de temps dessus pour la pause. Bah, théoriquement, il faudrait fixer donc un rail, ici, au niveau de la poutre, là, avec, pareil, des petites fixations, tout ça, tout ci, avec, ici, un tournant. Alors, je sais pas si elle s'ouvrira de ce côté-ci ou de ce côté-ci. J'ai envie de dire, à mon avis, on va la faire ouvrir par là, parce qu'ici, mes murs sont... c'est des murs porteurs, c'est des murs complets, donc je pense qu'à mon avis, on va la faire coulisser comme ça. Là-bas, je pourrais, parce que je pense que j'ai un mur après ici, mais il est pas fait, donc... Pour le moment, voilà. Mais voilà, il y a une espèce de rail tournant en haut et en bas, et en général, voilà, la porte vient se caler. Donc, il faudra qu'on fasse attention, du coup, suite à ça, quand on va placer les meubles dans notre garage, parce que j'imagine qu'on pourra peut-être y mettre des étagères ou des choses ici, des là, de bien penser, si ici, il y a le système d'ouverture de la porte, bah, de bien penser à pas y placer d'étagères ou quoi que ce soit, parce que du coup, la porte, sinon, bah, il va y avoir problème, on peut pas l'ouvrir. Donc voilà, ce sera un truc à prendre en compte. Donc je pense qu'elle va venir à peu près peut-être jusqu'ici, hein, si j'ai déjà un bon mètre ici plus tout ça. Je pense que la porte, il y a assez de place pour qu'elle s'ouvre. Donc après on peut arriver une étagère peut-être ou quelque chose jusqu'ici, il n'y a pas de problème. Mais par contre là il faudra qu'on laisse cet endroit vide, bien sûr. Donc voilà, c'était pour vous expliquer. Alors je vais vous montrer quand même la porte, ce qu'elle va ressembler, parce que c'est quand même l'objectif nous dans notre cas de figure. Mais voilà, on va estimer dans le jeu que bah, qu'on a besoin de fixer des choses. Donc voici un peu la taille de la porte, donc ça va être la plus grande. Tac. Et donc ce sera ce modèle-ci. Celui-là. Alors vous allez me dire comme ça, bah oui, mais ça ressemble pas à une porte de garage. Mais si, vous allez voir, ça va nous mettre en fait... Et c'est pour ça que j'ai pas choisi celle-là d'ailleurs en haut, parce que je trouvais que c'était vraiment hideux. Donc on va la mettre en couleur marron également. Et voici donc notre porte de garage. J'ai pas le choix, il y a que ça. Après, je vais vous montrer les autres, ce que ça ressemble, mais il n'y a en aucun cas une fenêtre qui ressemble à une porte de garage. Je trouve que c'est celle-là qui va s'y rapporter le plus. Donc c'est pour ça, à l'arrière, on peut très bien dire qu'il y a ces deux portes-là qui s'ouvrent pour rentrer un scooter, un vélo à pied. Et puis après, bah, si on veut l'ouvrir complètement, on la fait glisser. Alors c'est un peu con parce que du coup, elle est côté extérieur. Bon, encore une fois de plus, hein, on va pas chipoter. Hein. On peut très bien dire qu'elle est ici. Et qu'on l'a fait glisser. Bon voilà, je vais la visser et puis je vais vous montrer les autres, ce que ça aurait donné. Parce que je peux faire ça, mais vous allez voir, il n'y avait pas masse de choix. Hein. Bon, en tout cas, ça aurait pas été, je trouve. Mais là, on a quand même quelque chose qui est fermé en bas. Donc bon. Non, moi, chez ma grand-mère, c'est plus des petites fenêtres. Bah, elles sont pas très grandes, elles sont genre comme ça. Puis il y en a une à chaque porte. Et elle est comme ça, elle est en système. Alors je sais pas, il y a sûrement des gens qui ont ça chez eux, mais... Donc là, bah, je perds pas de temps, ça sert à rien de toute façon. Par contre, je vais vous montrer les autres. Pour vous montrer ce que ça ressemble. À ce que ça aurait ressemblé si on avait choisi un autre modèle. Mais bon, sans grand secret. Voilà. Alors on va se mettre la petite tablette en bas. Il nous restera la tablette extérieure, bien entendu. Donc là, on va repartir sur la même en blanche. Ouais, je peux pas choisir la couleur tant que j'ai pas mis l'autre, ok. Notre porte d'entrée qui est toujours aussi belle, elle, j'en suis content par contre, elle est très jolie. Tac, et puis bah là par contre ça va être pas super réaliste parce qu'on va avoir un... Bah on va avoir un rebord très haut. On a un petit peu ce que ça va ressembler, alors on va dire que c'est remblayé. Hein. Voilà, on va estimer qu'on va faire une petite pente pour pouvoir rentrer bah, notamment les véhicules. Alors, je vous montre un peu les autres... parce que ça je peux le faire à partir de maintenant. Donc si j'avais choisi celle-là, bah voilà ce que ça aurait donné. Donc là, bah non, on peut pas mettre ça en porte de garage. Si j'avais choisi celle-là, voilà ce que ça aurait donné. Donc là non plus. Par contre, ça aurait fait une très jolie baie vitrée pour une salle à manger. Et même limite dans un sens, je regrette de pas avoir mis une comme ça là-bas.
Mais bon, c'est trop tard, encore une fois. C'est pas très grave. Donc celle-là, c'est celle qu'on avait mis. Hein. Alors la couleur n'est plus la même, mais ça, on va le remettre après. Ça, ça aurait donné ça. Donc pareil, c'est moche. Et ça, ça aurait fait du truc comme ça. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Vous voyez, on était très... très limité, hein, donc je pense que c'est celle-là, moi, qui semble le mieux, hein, pour moi. Et puis, vu de loin, c'est ce qui, je pense, est le mieux pour une porte de garage, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que j'ai fait le bon choix. Hein. Voilà, on peut quand même situer, là, au moins, que c'est une porte de garage. Donc voilà, les amis, on a fini, donc, l'étape des portes et fenêtres à 100%, voilà, le jeu nous propose maintenant bah, la pose de notre escalier, donc c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo, c'est prévu. Donc tout ça, c'est bon. Et puis ben voilà, j'espère que par la suite du jeu, les développeurs, s'ils font un jour surface, auront l'idée de placer des vraies portes de garage, ça serait quand même top, j'espère. Ma foi, on fait avec les moyens du bord. Bon, alors l'escalier les amis, on va faire ça dans la dernière partie de vidéo, donc il est dans la remorque. Je vais me mettre ça bah, assez loin quand même. Ouais, c'est là. Là, ça, à l'arrière, ça aurait pu... on aurait pu mettre une 3. On aurait été peut-être limite plus joli que ça, mais bon, oh, ma foi. Allez, on va pas chipoter, c'est pas bien grave. Bah, je vais m'amener ma table tout près. Comme ça, des fois, ça peut nous servir pour construire l'escalier. Hein, qu'est-ce que t'en penses, mon cher? Oh, ouais, toi, t'es pas emmerdant. Alors. Tac, tac. Et tac. Voilà. Comme ça, notre petite table. Alors, escalier, bah, ça va être assez simple. Voilà, je clique sur la touche 4. J'arrive ici, puis voilà, l'escalier bah, se fait comme ça. On a l'impression qu'on pourrait le construire, mais non, hein, ça fait toute une étape d'un coup. Donc, de toute façon, je vais le poser. Alors, on va peut-être juste... Oups, c'est pas ça qu'il fallait faire. Je vais peut-être juste aller chercher des trucs dans la remorque. Histoire de faire un peu durer le plaisir. Voilà, c'est pour ça que j'avais reculé ici. Ah bah tout est prévu. Voilà. Et puis on va se rentrer ça sur la table. Voilà, commencer de s'amener ça. Alors je fais ça fictivement, je sais, j'ai l'air un peu con, mais... C'est pour faire réaliste. Un peu. Alors, par quoi on commence? On va se mettre... comme ça, puis je vais voir un peu. Comment que c'est fichu? Ouais, donc on aurait cette partie-là déjà sûrement à fixer, là, les côtés. Je pense que c'est comme ça que ça commencerait. Donc, tac, tac, tac. Ensuite, il y aurait toutes les petites barres... bah, les deux poutres-là, puis il y a sûrement deux en haut, ouais. Puis après, ouais, c'est assez simple, en fait, hein. Puis après les marches, un truc en kit, hein, clairement. En plus, c'est I2, il y a l'échelle derrière, mais bon. Bon, allez, je vous montre un petit peu ce que ça va ressembler. Donc, au niveau du choix de l'escalier. Donc, vous n'avez pas 50 000 choix, encore une fois. Il y a un escalier, en fait, donc monocouleur, je vais l'appeler. Donc, en marron, en blanc, en noir ou en beige. Ou alors, on a un bicolore. Donc avec des couleurs comme ça, marron, blanc. Donc moi je pense que je vais partir là-dessus pour retrouver le marron de nos fenêtres. Ouais, ça c'est le noir et blanc. Ça c'est le tout blanc. D'ailleurs, en fait, c'est quoi la différence avec... Ah si, oui, d'accord, c'est que celui-là, il a le truc qui est fermé. Celui-là a des marches ouvertes. Hein, ah, c'est mal foutu parce qu'en fait, tu veux un marche ouverte en deux couleurs, tu peux même pas. Non, moi je pense que je vais partir sur celui-là pour avoir le marron des fenêtres. Et puis du blanc. Celui-là aurait été sympa aussi, mais bon, ça va plus être dans le ton de la maison. Non, moi je pense qu'on va prendre celui-là. Allez, je vous montre ce que ça donne. C'est la dernière étape, vous pouvez modifier les cloisons sur le planificateur. Oui, donc on a les cloisons qui apparaissent, mais on va regarder ça juste après. On s'en fout. Donc voilà notre escalier, les amis. C'est sympa. Oh, après c'est joli, je dis pas, le escalier est bien fait. Bon, maintenant on n'a plus besoin d'échelle, on peut monter. Tac, 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 tac. Bon bah ça a l'air solide.
Donc là, ce qui serait bien, en somme, par la suite, et c'est pareil, il faudra que j'avance dessus pour voir, ça serait de retrouver ici un garde-corps autour de ce trou, de cette couleur-là. J'espère que ce sera possible. Faut que j'avance. Que là, la prochaine étape, maintenant, c'est les cloisons de séparation. Donc, justement, bah, ce qui est affiché là en jaune, en orange. Donc, ça, j'ai, hein, c'est les profilés en deux, là. Donc, en haut et en bas. Acheter, insérer et profiler muraux au bon endroit du sol et du plafond. Donc, ok. Visser les vis. Acheter, insérer les plaques de plâtre. J'en ai. Visser les vis dans les profilés muraux. Acheter, insérer de la laine minérale. Donc, ça, va falloir qu'on fasse. Justement. Mais je vais en être livré début d'épisode prochain. Il arrive avec les rouleaux de laine minérale. Des plaques de plâtre de l'autre côté de la cloison. Donc ça, j'en ai déjà quand même à revendre, hein, si on regarde. Normalement... Ouais, j'en ai 100 plaques. Par contre, il faut ça. Donc ça, je les aurai début de l'épisode prochain. J'ai 200 profils et ça se trouve, j'en ai assez. Il n'en faut pas tant que ça. Par contre, on va se commander ça. On va regarder ensemble combien j'ai à peu près de murs, combien il faudrait de blocs. Parce que ça se trouve, c'est des palettes. Pour voir justement vous voyez, si les cloisons sont en béton, achetez des blocs et posez-les comme des murs porteurs. Donc ça va être la même étape, il va falloir faire du mortier et tout. Mais ça va être cool, ça va nous reprendre un peu du temps, c'est bien. Donc ici au niveau cloison, en mur, oui bah il y aura celui-là, donc il y en a en haut à faire. Mais bah, c'est le seul, hein, je crois bien. Ouais, c'est le tour de l'escalier. Donc je sais pas si c'est les moellons comme les blocs creux. Je pense. Ben on peut savoir à peu près. 1, 2, 3, 4, 5. 5 plus 1,5. On va compter 6. 6 par rang. Je sais pas s'ils ont la même hauteur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y aurait 13 rangs à monter. Donc on serait déjà sur 60 machins là, même un peu plus, pour ce mur là. Ça paraît beaucoup. Et là il en faudra encore plus. Ouais mais à mon avis ça croise, il y a des rangs, il faut pas 6. Donc on va partir sur peut-être une soixantaine, et puis peut-être encore une... Donc oui il faudrait déjà 100 murs ici. Enfin 100 blocs, peut-être un peu plus. Après c'est tout ce qu'il faut ici. On va descendre en bas. Donc ici, on est pareil sur un mur, mais c'est le seul. Donc on va repartir encore sur une soixantaine. Ici. Oh, vous voyez les pièces, hein. C'est pas si immense que ça, hein. Regardez mon personnage quand il est dedans. Bon, ça c'est une salle de bain, mais bon. Là, par exemple, c'est la chambre d'amis. Bah, quand on va y avoir calé un lit dedans et puis une commode et tout, bah la pièce, vous allez voir. Hein. Elle va déjà être bien mangée, hein. Donc non, j'ai bien fait de faire comme ça, hein. Ça va être la chambre parent. C'est bien parce qu'on arrive vraiment à voir les pièces maintenant. Donc ici, bah, je pense que ce sera la... Ouais, je me suis pas trompé. Ce sera la fameuse... Le fameux dressing. Et puis donc ici, la salle de bain parent. Voilà, j'arrive vraiment à vous montrer les pièces maintenant. Donc ici, salle de bain du bar. Par contre, qui elle sera grande pour le coup. Chambre d'amis avec leur salle de bain. Ouais, ouais, ouais. Donc là, on aura la partie salon. Ici, notre véranda en bord, là. Là, normalement, c'est le bureau, si je dis pas de bêtises. Oui. Donc là, il va être grand. La buanderie. Donc là, par contre, c'est tout en bloc. Hein. Ah oui, puis là aussi. Ah oui, donc si, bah, il va en falloir quand même, parce que... Ouais, ouais, ouais. Ah oui, oui, il en faut. Tout ça, c'est tout du bloc. Et encore ces deux petits murs, là. Ah oui, donc je peux en commander au moins... C'est pas, alors, partir sur des palettes où il y a 100 blocs dessus. Donc ça ferait déjà une palette d'utiliser pour en haut. Pour sûr. On va compter deux palettes avec ce qui est là-bas et ça. Au mieux compter large. Ben là, 3 palettes. On va compter jusqu'à 5 pour ici. 6. Je peux bien en commander au moins 700-800 blocs. Hein. Au moins. Et on refera le point. Bon, et ben je vais m'écrire ça. Donc faudrait à peu près
On pourrait presque tout m'y amener en même temps, les palettes et le... Donc ce sera pour l'épisode 35. Oui, je fais mes courses. Hein. Épisode 35, donc le 34, c'est fait. Donc la porte de garage, c'est OK. Salle de bain, c'est fait. Donc j'ai dit environ... Ah, écoutez, je vais partir sur 800. Comme ça, on... ça fait 8 palettes. Donc j'appellerai Francis pour lui dire. Et puis... Donc j'ai 200 profilés. Ah ça, à mon avis, j'en ai... Je pense qu'il y en a assez. Je sais pas qu'il en faut, mais... Parce qu'un petit machin comme ça, je crois que ça en compte un. Genre ça, là. 200, c'est énorme. Par contre, en plaque de placo, c'est sûr que j'ai pas assez. Donc de toute façon, il faudra qu'on en recommande. Mais on va déjà poser ça. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Bah voilà, il va nous rester donc à faire une jolie petite miniature. Par contre, ce qui est con, c'est que je vais avoir les trucs orange pour l'escalier. Alors, je vais voir moi que je puisse la prendre d'en haut. Attendez voir. Ah, ça va être encore plus moche. Je vais me foutre en mode photo, puis on va voir. Bon, tant pis. On va le mettre là. Ah bah oui, mais je rentre par où? Si je peux rentrer par la porte d'entrée, elle est ouverte. Est-ce qu'on peut pas passer au travers des murs? C'est comme ça. Je pense que le jeu considère qu'on est une vraie personne à pied. Oh si, ça va, c'est pas si hideux que ça. On va faire assez de près, tiens. Comme vous voyez un peu plus son visage. Alors, qu'est-ce que tu vas prendre comme posture? Ah bah celle-là, elle est bien, oui. Ouais, allez, on va partir sur celle qui montre son escalier. On va mettre les petits tréteaux, là. Bon, il y aura le orange, hein, certes. Mais ma foi, j'ai pas le choix. On enlève l'interface, comme ça. Ouais, on pourrait voir la baie vitrée aussi, c'est pas mal. Allez, tant pis. Allez, clac, c'est vendu. Et ben voilà, les amis. On va quitter ce mode photo. Et puis donc, on se retrouve, et ben écoutez, très vite. Pour la suite de notre aventure Builder Simulator. En espérant... Donc maintenant, on a une maison qui est fermée totalement. Et ça, c'est cool. On va pouvoir plus faire voler notre matériel. Donc, nouvelle étape pour l'épisode prochain. On attaque les cloisons intérieures. Donc, je pense qu'on commencera en bas, puis on continuera en haut. J'essaierai de me... Bah, en fait, selon ce qu'on va faire à l'épisode prochain, justement, ça me guidera un petit peu sur le nombre d'épisodes qu'il y aura à faire là-dessus. J'en prévois de toute façon, pareil, au moins 4-5 déjà, minimum, dessus. Parce que voilà, on prend quand même notre temps, hein, c'est le but. Et puis ensuite, bah, on verra sur quoi on repart, mais théoriquement, ça sera la toiture après. Donc voilà. Allez, sur ce, bon visionnage, et puis bah, n'hésitez pas à me donner un petit peu votre avis sur la maison. Est-ce que vous êtes content pour le moment de ce qu'elle ressemble? Est-ce que ça prend une bonne tournure pour vous? Et puis, bah, n'hésitez pas même à me dire ce qui vous passe par la tête, il n'y a pas de souci. Et puis, bah, je vous retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, salut les amis, c'était Vivi, portez-vous bien. Ciao, ciao !